Alors salut tout le monde, c'est Toxo75 et comme promis, on fera le match contre la Juventus de Turin. Alors, on va commencer tout de suite, hein. Rien de changé. Mathia Destro qui revient de blessure. J'ai pris deux petits joueurs du centre de formation. Cristofaro, je sais pas comment. Et un autre, c'était Cassadio. Alors lui, vraiment, il me paraît vraiment bon pour 17 ans. 18 ans cette année, mais il peut faire vraiment quelque chose de bien. Donc on part tout de suite. J'ai vu que c'était très très défensif, donc va falloir qu'on joue avec un milieu offensif, histoire de les perturber un peu. Borriello, c'est fini. C'est fini pour Borriello. Il m'énerve. On va mettre Pjanic en meneur de jeu avancé, offensif. Ah ouais. Florenzi en milieu. Oula, milieu de jeu en retrait, pardon. Meneur de jeu en retrait, pardon. Obradovic. Tout simplement, splendide Obradovic. Rien à dire sur ce joueur, vraiment extraordinaire. Alors, Frantotti, Skorupski, Balzaretti. J'ai un doute entre Castan et Benatia. J'aurais tendance à mettre Benatia. Parce que Castan, il fait vraiment. Il a l'air bon dans les stats, mais. J'hésite, mais je le laisse. Je le laisse. Bah, par contre, Burdisson, on le bouge pas. Le plus vieux, le Zlatan de l'équipe. Il reste avec nous. Borriello, Mattia Destro qui va sûrement rentrer pendant le match. Histoire de récupérer. Comme il n'a pas eu de préparation. Excusez-moi. Pjanic Gaëtan. On va la faire comme ça. Hein. De Rossi un peu fatigué. Mais j'ai pas envie de tenter le coup Bradley. Je le mettrai sûrement à la mi-temps ou par là, quoi. Parce que De Rossi, c'est De Rossi quoi. Vraiment bon, mais il n'y a rien à dire sur ce joueur quoi. Donc comme je disais, il joue avec quelque chose de très défensif. Et seulement deux attaquants. Donc déjà c'est quelque chose de bien. Ils ont pas mis le. Oula, j'oublie tous les noms là. Llorente. Donc. Les ailiers, les Steiner et Asamoah, je crois. Oh, je sais plus. Ne pourront pas mettre de centre sur sa tête. À moins qu'ils trouvent Vucinic. Pas Jovinko, je pense pas, mais. Paul Pogba. Ok. Donc, ensuite, étant donné que nous partons pas favoris. Alors, on va parler en véhément. Je ne veux rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui, les mecs. Je n'attends que ça. Et c'est parti. Avec Pjanic, Leandro Castan, Maicon, Gervinho, Florenzi, Maicon. Et attente de temps fort. On joue encore à l'extérieur. Je vous montrerai le calendrier des matchs après. C'est pas un très très bon début de saison. Comme je pouvais l'espérer. On est aussi tombé. Là, on tombe sur Naples, Juventus, puis AC Milan. C'est quand même trois matchs de suite assez lourds. Avec deux matchs à l'extérieur. J'aime pas trop ça. Et le Arturo Vidal. Hein. On est 15e. C'est super. On a 4 points. On va essayer de jouer en contre vu qu'ils ont déjà la possession. Attention au corner de Pirlo. Oh, Vucinic dans le petit filet. C'était moins une. Si on sort un match nul, je pense que ça peut être pas mal pour nous. Essayer de gagner contre l'AC Milan.
vu qu'on joue à domicile. Ça reste possible. Je pense qu'on peut le faire. Ouh, et Pjanic, voilà. Et Pjanic, bonne récupération avec Adem Yalic. Gervinho, qui a comme son habitude, récupère beaucoup de ballons, mais en perd aussi souvent beaucoup. Avec la grosse défense qu'ils ont mis là, c'est sûr que mon joueur est blessé. Pjanic. Mais j'ai pas envie de le sortir. Vraiment que je fasse comme la dernière fois. C'était pas mal. Domination. Domination totale de la part de la Juve. Borriello. Il va être vendu. Alors ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. À moins qu'il se réveille comme ça et qu'il me mette 60 buts. Je vois pas comment je pourrais le garder. Il est tout simplement abominable. Abominable. Pjanic, Florenzi, De Rossi. C'était moyenne pour Buffon. J'ai remarqué que De Rossi aime beaucoup beaucoup les frappes de loin. Et il les cadre souvent, c'est. Attention, Yalic et Buffon encore une fois. Déjà qu'on tombe sur un adversaire très fort, si en plus on a un grand Buffon en face, ça risque de pas le faire et ça risque de m'énerver. Pirlo, Giovinco, Pirlo à nouveau. Et Florenzi qui récupère avec Gervinho, qui n'a pas perdu le ballon, mais qui a raté sa passe. Donc il l'a quand même perdu un peu. Lichtsteiner, il faut le bloquer. C'est triste que même à deux, il n'arrive pas à récupérer ce ballon. Attention, Pirlo à nouveau. Ça peut partir dans un bon contre. Mais c'est sûr qu'avec Borriello, ça risque pas. On peut encore s'imposer dans ce match, les gars. Faut pas baisser les bras. Bonucci avec Lichtsteiner. Lichtsteiner, Arturo Vidal. Qui nous a pas fait de cadeau avec cette magnifique frappe. Qui nous a mis. Pour moi, qui est un des meilleurs joueurs du jeu. Vidal, le meilleur joueur d'Italie pour moi. Dans le jeu, hein, dans le jeu. Barzagli, Vidal. Et le meilleur, je dirais, meilleur italien, Pirlo. Pirlo, franchement. De Rossi, est magnifique. 1-1. Daniele De Rossi, 2 buts dans cette saison. Et on regrimpe à 13e ou 14e place. 13e place. On peut espérer la victoire encore. Je vais pas parler trop vite avant que Giovinco nous punisse. Et si on gagnait, on remonterait pareil que le Chievo. Il faut voir. Chievo, je sais pas comment on dit. Peut-être Chievo. J'en ai aucune idée. Kievo Vérone, je crois. Ouf, j'en sais rien. Et à vrai dire, je m'en fous. Attention, Maicon. Attention à Giovinco. Paul Pogba et De Sanctis qui s'imposent. Obradovic qui ne fait pas un très bon match, mais Maicon encore pire. Mais Obradovic a l'air nerveux. Attention à cette touche.
Tactique avancée. Maikon. On va faire rentrer Taurosidis. Histoire qu'il joue un peu. Il me plaît pas trop le Taurosidis, mais bon. Quand on n'a pas d'autre choix. Adem Yalic va sortir. Je vais faire rentrer Destro. Et lui, je vais le passer en offensif parce que sinon, on risque pas de marquer. Ah là 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 là. Attention à cette touche de Chiellini sur Vucinic, Pirlo, faut stopper tout ça. Borriello ne risque pas de mettre une vitesse. Gianluigi Buffon pour Barzagli, Barzagli pour Bonucci. Une petite interception, ce serait pas mal. De Sigli. Dégagement de Sanctis. Et comme d'habitude, on repère la balle. Attention, De Rossi, attention. Au tacle par derrière. Borriello qui n'en capte toujours pas une. Pogba. De Sigler. Et De Rossi, cette fois, il n'y échappera pas, je pense. Et oui, carton jaune. Pirlo pour Vucinic, c'était dans les pieds de Vucinic à un moment, je crois que j'ai vu ça. La pression sur la défense de la Roma. Obradovic très nerveux. Et Castagne qui fait un bon match. Par contre, Burdisso, c'est pas tout à fait ça. Attention à Chiellini. Ouf, une touche au milieu de terrain facile. Tranquillou. Et Pogba. Paul Pogba qui nous punit. Une nouvelle fois d'une frappe soudaine en dehors de la surface et De Sanctis complètement perdu, complètement à la ramasse. Bon, c'est vrai que c'était dur à arrêter, mais. Allez, Taurosidis avec Gervinho, Taurosidis à nouveau. On va emmener le ballon dans la surface. Si près de la victoire. Attendez, on va passer en mode créer le surnombre. Lorenzi avec Borriello, mais il n'en capte pas une. Attention, Gervinho qui peut déborder le centre, le corner. À toi, Borriello, à toi, ou De Rossi. Attention, Castagne, Borriello sur la transversale. Le joueur recadre une balle. Et De Rossi, encore une fois. Mais ce n'est pas suffisant pour tromper Buffon une deuxième fois. Vidal avec Pirlo, Pogba. Jovinko qui peut déborder le centre, Jorgen Lichtsteiner. Qu'est-ce que je raconte de Jorente, moi? Attention, c'est reparti. Vidal, Lichtsteiner. Lichtsteiner.
Vidal, Pogba. Ça redescend sur Pirlo. Vidal, Lichtsteiner sur l'aile droite. Lichtsteiner, le centre. Ouf. Pirlo, Pogba qui va frapper. C'est repoussé. 30 secondes. Je sais pas si ça nous, si ça nous donne le temps de faire un contre. Allez, De Rossi, très bien joué. Très bien joué de la part de De Rossi. 15 secondes. 15 secondes pour le centre. Allez, Kaitan Boyello. Et fin du match. Pogba, une passe décisive, un but, ce qui nous classe 15e au classement. À 9 points de la Juve. Et de Cagliari et de la Lazio. Bon. Aujourd'hui, ça sera une vidéo très courte. Je vais regarder le calendrier, je vais vous le montrer un peu. 4 matchs avec celui d'aujourd'hui. Alors, 5 matchs plutôt. Alors, on avait fait l'Udinese ensemble. J'ai perdu 1-0. Gaëtan s'est blessé, mais il est déjà revenu. Je crois qu'il a été blessé 9 à 11 jours. Chievo, 2-2. On a joué contre la Roma réserve parce qu'on avait une... La réserve de la Roma, pardon. Parce qu'on avait un break de 13 jours. Avec la Sampdoria, on a gagné 5-1. Vraiment, très belle performance de mes joueurs. Très, très content d'Yalic. Ensuite, on a perdu de 1-0 contre Naples, Mertens. Je l'avais critiqué dans la conférence de presse et puis il m'a mis un but. Nouvelle défaite à nouveau contre la Juve qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc on va se retrouver sûrement pour... on va se retrouver pour... L'Inter, ou là ça fait longtemps un petit peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va se retrouver pour... Livorno alors, ou non, on se retrouve directement pour l'Inter. Comme ça, on va pas faire 4 ans, 400 vidéos par saison. Parce que le but c'est vraiment d'aller loin et de faire quelque chose avec cette équipe de la Roma. Ramener de très grands joueurs. Hein. Pensez au bout de 5-6 saisons, ramener Neymar, hein, des joueurs comme ça, faut pas avoir peur. On est ambitieux, même très ambitieux, donc on se retrouvera pour l'Inter. En attendant, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne fin de matinée, tout ce que au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous dis ciao, ciao à tous et